deux anniversaires en fait, hein, 10 ans et 60 ans. Et je crois qu'il faut marquer des moments importants de ce qu'est la vie du groupe, de ce qu'est la vie des caisses d'épargne surtout, de ce qu'est l'ADN des caisses d'épargne. Parce que ce qu'on est en train de fêter ce soir, c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui se transmet de génération en génération au sein de nos caisses d'épargne et dont on est, je peux le dire, on en est particulièrement fiers. On va bientôt fêter nos 200 ans et depuis l'origine, on essaie, génération après génération, d'avoir cette utilité sur le territoire pour être un banquier assureur autrement, pour être un banquier assureur différent, qui, au-delà de son métier, s'engage au quotidien pour faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre en proximité sur le territoire sur lequel il agit. Et Parcours Confiance, comme le microcrédit, c'est pour nous une institution, un organisme essentiel, puisqu'il s'occupe à côté des publics classiques que nous traitons dans le cadre de l'activité cœur de métier des caisses d'épargne. C'est une structure qui traite auprès des publics fragiles de l'insertion bancaire, de la pédagogie de l'argent. Et ça, c'est très important pour nous. Cette mission est essentielle parce qu'elle se rattache à l'essence même du modèle coopératif qui est le nôtre. Et ces préoccupations humanistes sont finalement le socle, l'ADN coopératif, et il inspirait déjà, il y a deux siècles, les fondateurs des caisses d'épargne en 1918. Le groupe BPCE et les caisses d'épargne en particulier sont bien entendu à côté de ces structures et continueront à les soutenir compte tenu de la qualité du travail qu'ils font et des besoins auxquels ils répondent.